Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur AFK Arena. Comme il y a un nouveau champion qui vient de sortir, c'est Walker du coup. Un nouveau champion porteur de lumière, héros centré sur la force, infligeant des dégâts physiques, classe guerrier, obtention de puissance de Tura et rôle principal, dégâts continus. Du coup, un perso qui est basé sur les dégâts. Du coup, on va lire ses spells vite fait, on va voir ce qu'il fait. Coup de pétoy. Pétoir? Pétoir. Walker tire un carabine ennemi directement face à lui, infligeant 80% de dégâts, et tire simultanément 4 plans supplémentaires, infligeant 20% de dégâts à tous les ennemis proches touchés. Walker annule le rechargement et utilise les dégâts qui sont renforcés pendant les 8 prochaines secondes lorsqu'un tir de carabine touche un ennemi, inflige 70% de dégâts de zone supplémentaire. Ok, c'est un truc basé sur sa carabine. Hein. Walker donne un violent coup de carabine à l'ennemi face à lui, le renversant et l'étourdissant. Ah, il peut étourdir, ok. Si l'ennemi est renversé, Walker lui tire dessus, lui inflige 240% de dégâts. Ok, s'il l'étourdit, il fait plus mal à la personne étourdie. Walker sort son revolver et tire sur les deux ennemis avec le moins de PV, et leur infligeant 360% de dégâts. Si les PV d'une cible descend sous les 10%, le taux critique de cette compétence augmente de 6% supplémentaire. Ok, du coup, il a un petit pistolet. Hop, son petit flingue là. Et il fait plus mal du coup sur les personnes qui ont les moins de PV. Et chaque fois que les attaques du coup de Walker infligent un dégât critique, son amplification de critique augmente de 2 points supplémentaires sans pouvoir excéder 60 points. Ok, à chaque fois qu'il met des crits, en gros, il gagne. Son amplification de critique augmente de 2 points et ça se cumule jusqu'à 60. Ok, c'est un perso que sur le long terme, en gros, à jouer avec du crit quoi. Ok, du coup, on va faire son arène d'épreuve. Et on va voir du coup. Ce qui vaut, qu'est-ce qu'on a gagné déjà? 60 gemmes rares là, et des diamants, des gemmes bleues, etc. etc. 6 combats comme d'hab, on va faire le premier combat d'entraînement juste pour voir ces animations. Oui, madame. Oui, madame. Ok, madame. Alors. Ah, il vient encore à corps? Ah, c'est un fusil à pompe qu'il a, non? Ah, je pensais que c'était un range, mais ok, il doit venir au corps à corps du coup. Il a l'air de faire assez mal quand même. Ok, très bien. La merde. Quitter. Du coup, on va faire les combats. On va commencer par ceux du bas. Hop. Celui-là. On va commencer en bas à droite. Du coup, la team, ça va être. Le chasseur au milieu. On va mettre elle, Rohan. L'ange tombé du ciel là. Et je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié les noms. Je sais plus les noms. Non, je suis perdu. Ah, Peggy, elle s'appelle. Elle est sortie il n'y a pas hyper longtemps. Ok. Ok. Mort. Très bien. On a fait le premier combat, on récupère le premier coffre. Il y a un combat en bas à gauche du coup avec la même team. Let's go. La même team exactement, il faut rien bouger. Voilà. Ok, gagné. Ensuite, les teams vont changer. Il reste 4 combats. Hop, on va prendre ceux du milieu. On va prendre celui-là, là. Celui qui est là et celui qui est juste en haut, là, c'est les mêmes combats. Du coup, on va changer Rohan. On le garde. Non, on garde pas. Si Rohan, on le met à la place, pardon. On fait comme ça pour commencer. On met Phoenix. On met Bélier. Et on met Jean-Eudes. Elle s'appelle Talen Vélix. Je la joue en plus. J'avais oublié son nom. J'étais pas sûr. Et du coup, pour ceux qui savent pas, si vos combats fonctionnent pas, il faut mettre en x4 en fait. Vous avez le x4. Comme des fois en x2, les combats ne passent pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est bête que le changement de vitesse en fait joue sur le combat. Mais des fois en x4, du coup. Des fois en x2, ça va pas passer. Il faudra mettre en x4 du coup pour que ça passe. Activez le x4 quoi qu'il se passe. Comme vous le débloquez je crois dans ce mode quoi qu'il se passe, de toute façon. Ok c'est win. Il reste deux petits combats après. On récupère le coffre. Il reste deux combats, on va aller sur celui-là directement. Balabalabalam, c'est le plus loin. Et... la team, c'est avec quoi? Phoenix, on va la mettre là. On enlève Rohan, on met le chasseur en haut et on met le roi Arthur, Peggy et lui. Je sais pas où il s'appelle.
Il s'appelle Arthur d'ailleurs. Ouais, il s'appelle bien Arthur. J'étais pas sûr qu'il s'appelait le roi Arthur. J'avais un doute pendant 2 secondes. Peggy est morte? Quoi? Ah, tout le monde qui meurt là? Je me suis foiré dans la team? Mais c'est comment? Il va gagner tout seul? Hein? J'ai perdu? What the fuck? Ok, on va mettre Nara à la place de Peggy. Et ça devrait passer. Incroyable, c'est la première fois que ça se voit. Ça devrait passer. Alors là, ça passe. Il reste Arthur, Talen et Respen. Ok, ça passe, c'est bon. Ouf. Ah, j'ai eu peur, hein. J'étais en mode quoi? C'est bizarre que ça passe pas. Ah, est-ce que là, la team. Attends, est-ce qu'on va... on va essayer avec la team qu'on a, avec Nara. Si ça passe pas avec Nara, on va remettre Peggy. Mais attends, il y a peut-être un bug là, du coup. On va voir. Ça a l'air de pas passer, on va mettre Peggy. Ok, on va mettre Peggy. Là, on va mettre Peggy, on va voir si ça passe. Oh putain, c'est la première fois que ça me fait ça, c'est incroyable. Peggy. Ça devrait être mieux normalement. Et c'est gagné. Ok. Du coup, avec à gauche, il faut Peggy et à droite, il faut Nara. C'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, du coup, voilà, c'est gagné. Boum, boum, boum. Et on débloque le gros coffre. Le gros coffre. Le gros coffre. Allez! Nice. Et c'est fini. Non, on a bien tout eu. Est-ce qu'on a bien tout eu? On a bien tout eu. Du coup, voilà les gens. C'était une petite vidéo guide. Guide Solus. Pour l'arène d'épreuve du coup du nouveau champion qui s'appelle comment? Walker. Pardon. En plus, c'est un nom facile. Ça va bien avec son nom. Ça dégaine quoi, Walker. J'espère que vous avez aimé. Du coup, en haut à droite, il faudra Nara à la place de Peggy. Et en haut à gauche, il faudra Peggy à la place de Nara. Et voilà. Et mettez bien en x4 vos combats pour que ça passe à chaque fois. Voilà. Du coup, voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que vous avez servi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.